Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, on s'avait préparé pour une mission, enfin on commence directement. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Ominis ? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Ominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Je comprends. Tu n'es pas obligé de m'en parler si tu n'en as pas envie. Si j'étais toi, je voudrais plus de détails. J'avoue que j'aimerais en savoir plus. Et tu peux me faire confiance si tu veux me confier quelque chose. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. J'avoue. Est-ce que tu connais le sortilège de Loris ? C'est quoi, le sortilège Doloris ? On l'appelle le maléfice de torture, en Doloris. Il inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Ominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est affreux. Mais peu importe les circonstances, il n'aurait jamais dû faire ça. Il aurait dû se douter que ça allait mal tourner. Crois-moi, ce n'est pas facile de se remettre les idées en place après avoir été touché par Andoloris. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Ominis. Il changera d'avis. Il manque juste un jeton, je sais pas ce qu'il est. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Toi, je t'ai rien demandé, toi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Vous faites bien de me le demander. Je suis convaincue d'avoir vu un Sinistros. Un présage de mort. Ben, ouh, y'a l'horloge, où tu combats. Mais s'il ne me voit je pas... Je parle pas chinois, excuse-moi. N'est-ce pas? Tout ce qu'il me faut, c'est une potion d'invisibilité. Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. «
Le Sinistros, si vraiment vous en avez vu un, est un présage. Il ne peut pas vous attaquer. Une potion d'invisibilité serait inutile. Je vois que vous ne me croyez pas. Bien, alors vous aurez ma mort sur la conscience. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a des porte-cannes. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Veuillez descendre pour rentrer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous mijotez? Bon. Mission. Psst, par ici, discrètement. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et... il y a autre chose. Arlo a parlé de toi à ses collègues. Ils ne t'ont pas pris pour quelqu'un d'autre, par hasard? Non. Rockwood et Arlo sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un d'aussi jeune? Le professeur Fig m'a demandé de ne rien dire, mais je sais que je peux te faire confiance, Nati. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant que j'arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après l'attaque du dragon. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange. L'as-tu fait, toi, les chandelles? Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls à Préolard? Oui, je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. Les as-tu toutes trouvées, t'as les clés qui volent? Et éliminer pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. M'en manque une, moi. On pourrait aller directement au ministère sans s'occuper de l'officier Singer. Tu penses qu'ils écouteront de simples élèves? Seul l'officier Singer peut lancer une enquête. Le ministère n'interviendra qu'ensuite. Tu as l'air déterminé à arrêter Rockwood et Arlo. Mais pourquoi? J'ai connu des hommes comme lui en Ouganda. Je sais ce qu'il arrive quand personne ne les arrête. C'est une longue histoire. Je promets de te la raconter quand nous aurons un moment. Dans l'immédiat, faisons ce pourquoi nous sommes là. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nati. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. En route pour de nouvelles aventures? Je peux pas prendre mon esti de balai. De pauvre. Je me demande à quoi ça sert. Stipendio. Bon, ça n'a pas marché. Action. C'était très puissant. Juste force. Ça a fonctionné. Wingard, c'est mieux ça. C'est beau, ça de merde.
Chris. Moi, je peux oser faire ça. Ça saute pas, sti. Hey, regarde ça, il saute marde, toi. Wingardium Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Tabarnak. Ah ben oui, c'est beau ça. Oui, là, il peut sauter, mais là... Il veut pas voler avec son petit balai, il veut pas le prendre. Ça pète. Quoi ça? Stipendo. Action. Descendo. Wingardium Leviosa. Leviosa. Bah. Ah, c'est des fois, moi, je m'endure pas. Moi, je suis pas intelligent. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Confringo! Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il met pas de la style? Pourquoi je suis pris puis il veut pas avancer? Wingardium Leviosa. Marche à quatre pattes, ça marche pas. Bon. Astuce de niaisage. Un cul-de-sac. Il doit y avoir un autre accès. Balai volant, je le prends puis je le rends dans tes fesses. Magicien, puis oui, c'est-tu. J'ai l'impression que ça permet de lever la herse. Je peux faire de la magie, mais quand je suis à quatre pattes, je peux pas. Je n'arrive pas à croire que je dois écrire ça, mais vous n'écoutez pas, bande d'imbéciles. Vous devez pousser la porte pour ouvrir et non pas la défoncer. Si je la retrouve encore en mille morceaux, je jure que je vous allez regretter. Amen. Wingardium Leviosa. Ok. Action. Descendre. Réflexion. Bien. T'as tenu là, ma petite crise de vache. Bien joué. Je monte tout de suite. Je suis un dieu. Je savais que tu y arriverais. Oui. Par ici. Je vais ouvrir la porte. Je suis le frère de Jésus. Lance-toi, maudite bitch. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La
prudence sera de mise une fois à... Je les entends. Calmez-moi cette bête! Elle céleste! Tu connais cette hippogriffe? Ramenez-moi ça sur le point! Allez! Bon alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hippogriffe. Entendu? C'est le moment, on y va! Ah, la poisse! Il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit. Forcément. J'espère que Nati n'a pas d'ennui. Nati, elle respire. Elle respire déjà trop pour une femme. Revelio. Oh, c'est pas Revelio, ça c'est... Gwen, mets-toi pas de ma vie. Revelio. Qu'est-ce que je vois rien? Ah, tu peux pas rentrer là. C'est correct. Saute! C'est faible. Salut, face de cul. À la prochaine. Wingardium Leviosa. Demain. Go, go. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. Ben non. Réparo. Les chaussons. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. Fais-moi juste te le dire. Action. Fingo. Quand pas là, il est plus là. Revelio. Confringo. Allô, Mora. Quoi? Pas compris ça, c'est... Retardis. Confringo. Revelio. Confringo. Hey, mais pourquoi... Pourquoi me faire rentrer ici dedans? Il n'y a rien. Jouer avec toi-même. Envoie-moi une vidéo. Rencontre moins de résistance. Tu vas rentrer chez toi, les petits. Oh, t'es qui toi?
Confringo. C'était une erreur. Je sais, Gwen, je te donne toujours envie. Je comprends. Allô, Mora. Chic avait raison. On va vous tirer des mains de ces barbares. Revelio. Wingardium Leviosa. Confringo. El Céleste, tout va bien. Là, du calme. Te voilà. Allez. Allô, Mora. Allez. C'est le Poudlard Express. Il doit revenir d'un voyage imprévu. Et on va jouer un autre 30 minutes parce que ça va être manger, dormir, tabarnak. T'as déjà fait cette mission-là, Gwen?
Bon, on est sensiblement à la même place, moi, plutôt, de toute façon. C'est incroyable, non? Là, j'ai pour dire, c'est bien loin, cette affaire-là. C'était incroyable! C'était tellement excitant! Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr. Alors, que disait la lettre? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais, dis-moi... Où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes? J'ai rencontré El Celeste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweeting connaît un hippogriffe? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'El Celeste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter. L'objet débloqué. Fait là, j'ai des hippoglyphes, ça. Pour l'arrêter. On devrait aller lui parler. Retrouve-moi chez lui. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il m'a dit qu'il avait fait... Ouais. Excusez. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre. Ces pierres ont connu des... Mon imagination doit me rendre toi. Je vais te donner sur toi. Je ne peux pas atterrir, Sty. Confringo! Action!
que tu as fait à ces créatures sans défense. C'est une honte. C'est une honte, Gwen. Qu'as-tu fait, merde? Confringo. Confringo. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Faute si tu es une araignée géante mortelle. Réveillon. J'ai une impression à Ominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me voir. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser.
Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Il... La salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Bon, je suppose que si le fait de chercher Tobbs me permet de tester ma tenue enchantée, je peux y aller. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je vais pouvoir être incluse. Je me demande qui vivait ici. Tu fais autant de bruit qu'un troll. Action. Revelio, Confringo.
Confringo. Non! Non! Il était mort, tabarnak! Rébellion! J'ai déjà été là. C'est là que la mission, tu vas chercher les trolls, il y a buggy. Je suis en train de jouer, puis d'un coup ça freezait. Ciao. J'ai revenu, plus de troll. Le troll a disparu. J'étais comme bon. C'est beau.
C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Excusez. Rebellion. Bon, dernière mission. Lumos. Confringo. Revelio. Top, tu as trois fioles en dessous du quota, tu sais. Et ça signifie ça, que mes fidèles clients n'auront pas leur solution de ratatinage de Simus. Suite à ces grossières erreurs, tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine. Je m'attends aussi à ce que tu puisses dignement, quand je reviendrai pour la prochaine cargaison, j'espère bien te trouver plein de bandages. Sans garantie, plutôt avec ton sourire stupide de d'habitude. Si tu n'atteins pas le quota, augmente de 5 fioles, tu perdras bien plus que ta ration de nourriture. Le maître de Tom, c'est horrible. Tobbs? Tobbs? Chick, m'envoie. Tu es là? Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Ah ouais, charge toi. Tabarnak, j'ai passé proche de mourir.
Revelio. Confringo. Thank you.
Ah ouais. Rébellion. J'ai pas de... Avec des bouteilles, ça aiderait. Là, j'ai pas de bouteilles en tout. C'est pas smart, ça. Tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Huh?
Confringo. Revelio. Confringo. Que cet elfe de maison est Tobbs. Maître, si vous trouvez le corps de Tobbs, c'est que la grosse araignée était trop forte. Tobbs est indigne de vous et mérite une punition. Tobbs se sent fatigué. Tobbs, toi. Pauvre Tobbs. Oui, j'avoue. Abandonné seul avec les araignées. Revelio. J'ai des questions pour toi. J'interview les personnes avec une grosse graine. Revelio. Confringo. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Revelio. Chick, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, Chick espère que vous avez salué Tobbs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chick, mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non,
C'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tubbs. Chick et Tubbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tubbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tubbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Chick. Merci. Vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Allez, vendre les équipements. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Que deviendrais-je sans elle? Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Ne t'inquiète pas, Biscuit. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!